Après votre hier, le président Alassane Ouattara avait omis ce matin, comme partout où il est passé, le chef de l'État a prôné la paix, gage de développement. Il est revenu sur l'alliance RHDP, une alliance qui gagne. La politique nationale de lutte contre le tabagisme en phase de validation. Le gouvernement, vous le savez, fait de la lutte contre le tabagisme une de ses priorités. Au Mali, le général Aya Sanogo, inculpé pour assassinat et complicité d'assassinat, il a été placé sous mandat de dépôt et devrait être détenu dans un lieu secret pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, jeudi 28 novembre, bienvenue à tous dans le 13h. Le président Alassane Ouattara, chaleureusement accueilli par les populations de Béomi. Béomi était donc à l'honneur ce matin. Comme partout où il est passé, le président Alassane Ouattara a été accueilli par les populations enthousiastes. Il a rendu hommage au président Henri Konabédié pour sa sagesse. Et c'est justement à la place Henri Konabédié qu'a eu lieu le troisième meeting du chef de l'État. Là encore, le président a lancé un appel à l'union, à la paix. Une fois encore, le président a exhorté les populations au pardon pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Il est revenu sur l'alliance du RHDP, alliance forte qui doit faire avancer le pays. Extrait. Vous savez, quand les enfants du Foué Boigny s'entendent, se retrouvent, la Côte d'Ivoire se met en marche. Oui. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est au travail, la Côte d'Ivoire est en marche. Et je le disais à Sakassou, le président Oufouet nous disait, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc l'équipe Alassane Ouattara avec le RHDP doit continuer en 2015 pour faire avancer la Côte d'Ivoire encore plus rapidement. Nous avons besoin de tous les enfants de Côte d'Ivoire, sans distinction, sans discrimination. Je vous assure, car je suis très exigeant, que le gouvernement travaille énormément pour améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Et notre ambition est d'apporter le développement dans le Gbeke, mais dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et parce qu'améliorer le quotidien de chacun de nos concitoyens est une obligation pour nous. Message de paix, de réconciliation du chef de l'État. Le chef de l'État qui, avant le meeting de Béomi, a marqué une escale à Languibonou pour recevoir les honneurs militaires. Et à 12 km du centre-ville, il a procédé au lancement des travaux de construction des ponts de Béomi sur le fleuve Bandama et sur le camp. Ce grand chantier, d'un coût estimé à plus de 16 milliards de francs CFA, sera achevé dans 20 mois. Signalons que le pont sur le Bandama a été détruit en 1975 lors de la construction du barrage de Kossou. Et avant Béomi, le président était hier à Botro pour la première visite d'État de l'histoire de ce département. Botro a communié hier avec le chef de l'État et la bonne nouvelle donnée par le président est l'engagement qu'il a pris séance tenante de faire bâtir un centre de formation professionnelle à Botro. Le chef de l'État a réitéré sa volonté de développer la région. Le point du meeting avec Abiba Dambélé Sawi. Le président Alassane Ouattara poursuit sa tournée au cœur du pays baoulé. Le fils de Kong est accueilli par toutes les têtes couronnées de la région. Elles sont plus d'une centaine et viennent de tous les cantons, tribus et villages de la région. Les populations de Botro, Diabo et Languibonou n'ont pas voulu se faire compter l'événement, d'autant plus que c'est la première visite d'État d'un président de la République dans le département. Après les libations, le maire de Botro a remercié le président Alassane Ouattara pour cette visite historique. Le mercredi 27 novembre 2013, jour tant attendu par toutes les populations, est arrivé. Et le président de la République de Côte d'Ivoire a effectivement foulé le sol de Botro comme prévu. Ce qui constitue pour nous une source de joie profonde. Le porte-parole des populations, le député de Diabo, a émis quant à lui quelques doléances. Les infrastructures. À ce niveau, nous vous savons déjà gré
de votre engagement à réhabiliter toutes les voies du département de Botro. Nous souhaitons que le projet routier de l'axe Sakassou-Botro soit réactivé. Par ailleurs, nous sollicitons le bitumage d'une dizaine de kilomètres de route à Diabo et à Langibonou. Nous souhaitons une adduction d'eau pour tous les villages du département. Nous avons soif de sentir davantage la présence de l'État, garant de notre sécurité. En réponse, le président de la République a rassuré les populations de sa ferme volonté à améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Que ce soit la sécurité, la santé, l'éducation, la réhabilitation et la construction des infrastructures, l'équipement des services publics, dans le cadre de mon programme de gouvernement. Beaucoup n'y avaient pas cru et pensaient que c'était tout simplement un slogan de campagne. Mais vous êtes témoin aujourd'hui de voir que ce travail est en cours dans de nombreuses localités. Concernant les doléances, mais je peux vous assurer que nous avons déjà réalisé de nombreux engagements. Par exemple, dans le domaine de l'eau, jusqu'en 2011, la ville de Botro était alimentée par des camions citernes. Oui, aujourd'hui, le raccordement de la ville à la station de la LOCA a permis de résorber le déficit d'alimentation en eau. Nous avons, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, investi près de 800 millions de francs CFA dans le seul département de Botro. Sans doute, au nom de l'alliance qui lie le royaume de Congo au peuple Fatikan, le président Alassane Ouattara a reçu 10 bœufs, 48 moutons, 79 cabris, 70 païmbaoulés, dont 69 pour la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et 2 tableaux. Le président Alassane Ouattara, en retour, a offert 14 véhicules de type 4x4 au corps préfectoral et à la police, ainsi que du matériel de salubrité et 12 millions de francs aux différentes composantes de la population. Autre fait marquant de la visite du président de la République dans la région de Gbeke, l'inauguration du tribunal coutumier de Sakassou, une instance traditionnelle qui règle les conflits et les différends en pays baoulé. Awa Touré pour plus de détails. Faites entrer les accusés. C'est désormais ici, dans ce bâtiment construit à l'ombre de l'arbre à palabre, que se tiendront désormais les audiences du tribunal coutumier de Sakassou, un tribunal de dernier recours après les tribunaux du village, de la tribu et du canton. C'est quand ils n'ont pas la solution qu'il faut qu'on fait le transfert à ce tribunal royal, qui est le tribunal central du royaume, qui va être tranché en dernier ressort. Voilà comment fonctionnent nos tribunaux. Le président de la République Alassane Ouattara, qui entend renforcer l'autorité des chefs traditionnels par l'adoption d'un statut pour ses gardiens de nos us et coutumes, a inauguré sous une forte pluie le tribunal coutumier de Sakassou. Paul Akoto Yao, illustre fils de la région, a exprimé la gratitude du peuple Walebo au président de la République Alassane Ouattara pour ce geste riche en symboles. Vous avez saisi ce qui était essentiel pour ce village, modeste mais significatif. Cet arbre est à la fois mythique et mystique. Et la justice qui se tient sous cet arbre se fait sous l'inspiration des mains de nos ancêtres. Nous sommes arrivés ici comme aboutissement de notre exode. La reine qui est partie du Ghana à la suite d'une guerre est venue trouver des gens qui habitaient cette région, nos frères Gouro et nos frères Senufo. C'est par son esprit de justice, par la cohabitation pacifique avec tous, que nous avons pu nous entendre avec nos frères. Et je vous signalerai que la cour royale de Sakassou était en liaison permanente avec la cour de Gonkulibali et la cour de Kong. J'ai vécu ces réalités-là auprès de mon père. Donc, vous êtes bien fils de cette région puisque vous avez saisi ce qui était essentiel pour notre peuple. Vous avez vu juste et nous vous disons ce que nous avons dit à Félix Houphouët-Boigny ici lorsqu'il est venu en 1944 solliciter la permission du roi Anoumblé
pour qu'il lui accorde la bénédiction de la reine Atapoku, nous vous disons que nous vous donnons la même onction, la même bénédiction. Le peuple baoulé vous a accordé sa voix avec son cœur. Et nous savons qu'en retour, vous avez accepté ce peuple avec votre cœur. Mais lorsque nous avons fait ce geste, nous entendons en retour que nous puissions, non pas tellement le retour matériel et financier, mais que nous puissions nous retrouver dans le cadre de cette réconciliation et de cette recherche permanente de la paix qui a été le leitmotiv de Félix Houphouët-Boigny. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a remercié les chefs traditionnels et les populations pour cet accueil enthousiaste. Le président Alassane Ouattara, comme vous le savez, est un disciple du président Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, plus que sa vision de développement, son engagement principal, c'est de reconstruire la paix entre les Ivoiriens, le vivre ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez, dans des mots très forts, dit que cette construction à côté de cette table centenaire donne une force à ce peuple-là dans tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire depuis l'époque du président Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui encore, vous lui accordez votre bénédiction pour cette grande aventure pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc avec le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, nous voudrons en son nom vous dire merci à tous les chefs pour leurs prières et bénédictions. Les chefs traditionnels du Walebo ont offert au président de la République Alassane Ouattara un tableau représentant les images du dernier jugement du tribunal coutumier sous l'arbre à Palabre, un arbre centenaire et qui est le chêne du royaume Baoulé. Et vous allez le voir, le président Alassane Ouattara était heureux hier d'inaugurer la station d'eau de la Loka, une réalisation qui a coûté 5 milliards de francs CFA. Jérôme Kofi Aboulin. C'est officiel, depuis cet après-midi, ce mercredi 27 novembre 2013, la mise en service de la station de production d'eau de la Loka dans la commune de Boaké par le président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie à la grande joie des populations sorties à cette occasion pour saluer le chef de l'État en visite dans leur localité depuis le lundi 25 novembre 2013. Pour le président Alassane Ouattara, tout aussi heureux, cette réalisation s'inscrit dans le cadre du développement amorcé de la Côte d'Ivoire après que le pays a connu une crise sans précédent pendant plus d'une décennie. C'est toujours un bonheur vraiment particulier quand nous arrivons à faire en sorte que la population ait de meilleures conditions de vie. Les meilleures conditions de vie impliquent qu'on ait de l'eau potable, de l'électricité et bien évidemment tout le reste. Mais l'eau est source de vie. Nous étions il y a quelques mois, l'année dernière à Mans et nous avons pu approvisionner Mans en eau potable. Et aujourd'hui, c'est donc Boaké avec tous les environs. Botro, donc Sakassou et même Béoumé bientôt, et ceci me fait plaisir. Je crois que c'est un acte très fort et je voudrais féliciter le ministre et les membres du gouvernement et dire que nous continuerons. Nous voulons que partout en Côte d'Ivoire, dans les 2-3 années à venir, il n'y ait plus de problème d'eau potable. Évidemment, Abidjan a un besoin important, mais nous savons que d'ici la fin de l'année prochaine, il n'y aura plus de problèmes d'eau potable à Abidjan. Donc c'est un pas important pour le mieux-être des populations et je félicite bien évidemment tout le gouvernement, mais également la SODEFI et tous les bailleurs qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Ce projet réalisé constitue un renforcement de la capacité d'eau à Boaké qui passe de 900 m3/h à 1300 m3/h. Renforcement qui permettra de satisfaire les besoins en eau potable de Boaké et de 74 localités environnantes jusqu'à l'horizon 2015. Et cela grâce au financement de l'Union européenne et la Banque mondiale. La première dame, toujours aux côtés de son époux pour soulager les populations, Dominique Ouattara, a remis des chèques aux femmes dans le cadre du projet Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFCI, valeur 70 millions de francs CFA, cela en vue de lutter contre la pauvreté. Dominique Ouattara a également offert aux femmes de Gbeke une importante quantité de vivres et de non-vivres d'une valeur de 115 millions de francs CFA. Le point avec Viviane Aimé.
Ambiance de grande réjouissance au stade de Boaké, où les femmes sont venues de tout le Gbeke pour manifester leur reconnaissance et leur affection à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour avoir créé le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui a permis, dès sa création il y a un an, à 1000 femmes de la région de bénéficier d'un prêt à faible taux de remboursement, ce qui leur a permis d'entreprendre des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge. Elles sont venues aussi dire merci pour les nombreux dons que la présidente fondatrice de Children of Africa a eu déjà à faire dans le passé aux femmes et aux enfants de la région. Et aussi les nombreux et importants dons dont elle a inondé le Gbeke depuis le début de cette visite d'État. C'est un accueil populaire et chaleureux que la première dame de Côte d'Ivoire a reçu à son arrivée au stade de Boaké. Atmosphère de joie doublée du plaisir de recevoir la première dame Dominique Ouattara. L'arrivée aussi du président de la République, Alassane Ouattara, a ajouté une note de joie supplémentaire. La première dame Dominique Ouattara est venue à cette rencontre avec les femmes du Gbeke avec encore une fois de nombreux cadeaux. Ainsi, dans le cadre du FAFSI, la première dame de Côte d'Ivoire a décidé qu'un nouveau crédit soit affecté à 1000 autres femmes de la région du Gbeke. Chères sœurs du Gbeke, nous avons décidé de vous accorder un financement supplémentaire et ceci pour deux raisons. D'abord, parce que Boaké a souffert et mérite d'être encouragé à travers ses femmes. Ensuite, pour votre courage et votre sens élevé du travail, vous êtes des femmes battantes et je voudrais vous soutenir. Lors de la première phase de remise des chèques du FAFSI, les femmes du district du Gbeke avaient reçu la somme de 103 millions de francs CFA. Aujourd'hui, mes chères sœurs, je suis heureuse de vous annoncer que ce sont 70 millions de francs CFA supplémentaires qui vous sont attribués. Avec ce financement, vous pourrez développer vos activités et améliorer vos conditions de vie et celles de vos familles. Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, ont promis faire bon usage de ce prêt. Monsieur le Président de la République, grâce aux fonds que vous avez mis à notre disposition, beaucoup d'entre nous ont pu sortir de la misère créée par la crise. Aujourd'hui, nous sommes des femmes debout grâce à vous. Mes sœurs, vous pouvez vous lever pour que la première dame et son époux sachent que vraiment nous sommes debout. La première dame avait aussi dans ses bagages de nombreux dons en vivres et non-vivres pour les coopératives et groupements de femmes, pour les pouponnières, orphelinats, cantines scolaires et centres de santé de Boaké et des localités d'Akakro et d'Apla à Soumankro. Et les élèves du lycée moderne de Sakassou peuvent désormais s'ouvrir sur le monde. La première dame leur a fait don d'une salle multimédia équipée de 42 ordinateurs, tous connectés. Ali Djarasouba. Ils ont désormais le loisir de s'ouvrir sur le monde via Internet. Les élèves du lycée moderne de Sakassou ont reçu, ce mardi après-midi, la salle multimédia de leur lycée équipée de 42 ordinateurs, tous connectés à Internet. Un autre don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a à l'occasion communié avec les élèves du lycée. Ils lui ont exprimé leur reconnaissance pour les nombreux actes de générosité, notamment l'équipement de la bibliothèque du lycée et surtout les vivres et non-vivres offerts par elle. Ils lui ont aussi présenté leurs doléances. Nous sollicitons votre bienveillance pour la réhabilitation de l'infirmerie du lycée. La réhabilitation des salles spécialisées de SVT et de physique-chimie. Et surtout, la réhabilitation et l'équipement de l'internat pour éviter à nos nombreux camarades sans tuteur d'être livrés à eux-mêmes. Au total, c'est un don de plus de 58 millions de francs CFA qui a été offert au lycée moderne de Sakassou. Une gratitude saluée par la première responsable du système éducatif, Candia Camara. Offrir à un établissement une bibliothèque et des ouvrages, c'est donner aux élèves, aux enseignants, la clé du savoir et des connaissances. Et doter ce même établissement
d'une salle multimédia avec des micro-ordinateurs, c'est tracer les sillons de l'avenir. Ne faisant jamais rien à moitié, Madame la Première Dame met aussi à disposition d'importants lots de matériel didactique de vivre et de non-vivre. Madame la Première Dame, Maman Dominique, mille fois merci. D'une utilité évidente, ces dons de la Première Dame visent à refaire du lycée moderne de Sakassou un fleuron de l'excellence dans la région. Je voulais vous dire que, bien sûr, ça peut être quelque chose d'anodin de mettre des ordinateurs et d'amener des livres. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que ça va vous ouvrir sur le monde. Ça va vous permettre de réussir mieux vos études. Ça va vous permettre de découvrir des tas de choses que vous ne pouvez pas découvrir sinon. Donc profitez-en et que ceci vous aide à bien travailler, mes chers enfants. La salle multimédia a ensuite été inaugurée, en plus des 42 ordinateurs, des imprimantes, des logiciels didactiques, et 1500 livres ont été offerts à l'école. Comme à son arrivée, Dominique Ouattara a quitté le lycée moderne de Sakassou dans la liesse et le triomphe. Le dernier meeting du président de la République dans la région de Gbeke aura lieu au stade de la paix de Boaké demain à 9h. Le ministre Paul Kofi Kofi appelle à la mobilisation. Nous l'écoutons. Hommes, femmes du Gbeke, personnes âgées, enfants, jeunes, nous voulons saisir l'occasion pour vous remercier pour votre sortie grandiose lors de l'arrivée de Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara. Lundi dernier, toute la Côte d'Ivoire a été impressionnée de l'accueil chaleureux et exceptionnel que vous avez réservé à notre Président. Mais ce n'est pas encore fini. Le bouquet sera le stade qu'il faudra remplir. Vous savez, le stade de Boaké est un stade mythique. Nous devons tous nous mobiliser pour marquer le grand coup afin que ce souvenir également reste dans l'esprit du président de la République, que nous aimons notre président. C'est pourquoi nous allons vous appeler de sortir des villages, des quartiers, des hameaux, des campements, des bureaux, etc., du pays profond, de l'extérieur. Venez nombreux, vendredi 29 novembre, à 10h, le président de la République tiendra son dernier meeting. Naturellement, il faut être là avant. Dès 6h du matin, on voudrait vous voir au stade, le stade rempli, pour que nous marquions cette visite de façon indélébile par une présence massive au stade. Venez et n'hésitez pas, les questions de place seront résolues. Tout le monde aura de la place. Des écrans géants seront positionnés pour ceux qui ne pourront pas avoir accès au stade. Le premier stade, l'ancien stade, sera également ouvert pour tous ceux qui n'auront pas accès au nouveau stade. Et on compte sur vous. Et changeons de sujet pour parler du plateau du journal télévisé de 20h d'hier. Invité la ministre en charge de l'économie et des finances, Niale Kaba. Elle s'est exprimée sur l'audit des arriérés dus aux fournisseurs d'État. Extrait. Comme vous le savez, nous avons procédé à un audit. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de dire que l'État a décidé de payer 51,1 milliards aux fournisseurs dont la dette a été validée par l'État sur les 98,3 milliards qui ont été retenus. Les réclamations vont nous remonter. Ils seront prises en charge au niveau du Trésor, au niveau de l'agent judiciaire du Trésor. Et le comité d'audit, de suivi de l'audit, donc, va s'assurer et faire en sorte donc, que les fournisseurs qui font un recours et qui devront donner toutes les gestes, accompagner leur recours de toutes les pièces justificatives pourront avoir un retour donc dans un délai d'un mois. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et ses services vont se mettre en branle. Dès le 2 décembre, l'affichage va avoir lieu. Les procédures, une bonne communication va être faite donc sur les procédures de paiement, sur les différentes étapes et nous espérons qu'à partir, au plus tard, à partir du 15 décembre, les paiements commenceront à être faits. La ministre en charge de l'économie et des finances, Niale Kaba, sur le plateau du journal télévisé de 20h d'hier.
37 membres de la communauté portuaire de San Pedro séjournent en ce moment au Mali pour 5 jours. Une mission pour rendre visible le corridor Bamako-San Pedro, nous dit Noël Nyayo. Bamako, depuis ce dimanche 24 novembre, la délégation de la communauté portuaire de San Pedro est sur le bord du Niger. Objectif, rendre davantage visible le corridor Bamako-San Pedro. Après le test réussi de 2012-2013, 4500 tonnes de coton de la CMDT, compagnie malienne de développement de textiles, au départ 21 500 tonnes à l'arrivée. Amplifier ce capital confiance, explorer d'autres opportunités de l'économie malienne en soulignant les avantages comparatifs du port de San Pedro et la vision du père fondateur. Le port de San Pedro, c'est également un port qui doit être le moteur de l'intégration régionale. Ça, c'est ce qui est dit dans les textes fondateurs et créateurs de ce port. Levier pour l'intégration, cela veut dire pour nous faire en sorte que ce port-là devienne également le port tout à fait naturel du Mali. Le Benjamin a conscience de l'aîné et de leur complémentarité. Nous sommes deux ports totalement complémentaires. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que l'économie portuaire ivoirienne puisse capter le maximum de talent. Les cibles identifiées, la Direction générale des transports, la CMDT, compagnie malienne de développement du textile, le désormais partenaire privilégié, les chargeurs, les transporteurs, la douane, la chambre de commerce et d'industrie du Mali, la fêtière, à tous un langage. Nous avons les moyens de vous offrir une alternative crédible pour les exigences d'un pays continental, célérité, sécurité et facilité. Les ministres de la CEDEAO en charge de la qualité sont à Abidjan. Objectif, examiner et valider les premières normes harmonisées de la CEDEAO et préciser l'approche ouest-africaine en matière d'accréditation. Hugues Evéblé. Les ministres en charge de la qualité dans l'espace CEDEAO avaient pour préoccupation essentielle à Abidjan une meilleure gestion des défis restant encore à relever en matière de qualité. Ces défis qui existent en dépit de toutes les initiatives prises au niveau régional et local sont notamment la mise en place d'une véritable culture de la qualité, l'harmonisation d'un plus grand nombre de normes en vue de la baisse des barrières techniques aux échanges communautaires, le renforcement de l'infrastructure qualité. Sur la table des ministres pour examen et validation, les trois premières normes communautaires de la CEDEAO, le schéma de l'infrastructure qualité de la CEDEAO, et les tests du prix CEDEAO de la qualité. La rencontre de ce jour m'offre l'occasion de rappeler que la vision globale de la politique qualité CEDEAO est de maintenir une structure industrielle solide, compétitive au niveau mondial, respectueuse de l'environnement et capable d'améliorer sensiblement les conditions de vie des populations de notre espace régional. Ont donc été validés à cet effet à Abidjan par les ministres en charge de la qualité dans l'espace CEDEAO, les premières normes harmonisées, l'infrastructure qualité de la CEDEAO et les tests du prix qualité de la CEDEAO. La rencontre d'Abidjan a également mieux précisé l'approche ouest-africaine en matière d'accréditation. Et dans le domaine de la santé, le gouvernement fait de la lutte contre le tabagisme une de ses priorités. Dans ce cadre, une politique nationale de lutte contre le tabagisme a été élaborée cette année. Quelle est la situation sur le terrain, suivant ce reportage de Serge Collier? Mener une lutte active contre le tabagisme afin de contribuer à l'amélioration de la santé des populations. C'est l'objectif affiché par le ministère de la Santé à travers l'élaboration d'une politique nationale. La stratégie et les actions à mettre en œuvre dans le cadre de ce programme anti-tabac sont l'objet du présent atelier. Les experts de la direction de coordination du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions planchent sur les conclusions de différentes études précédemment menées. Ils vont, à l'issue de leurs travaux, adopter et valider les documents de politique et de stratégie anti-tabac. On va mettre l'accent sur la sensibilisation des enfants, de la jeunesse, de façon globale. Déjà, en milieu jeune, le tabagisme fait du ravage. On parle de 5 à 20% de fumeurs au milieu des élèves. Donc faire en sorte que tout le monde comprenne le danger que cela représente pour notre avenir,
pour l'avenir de cette jeunesse. Le gouvernement ivoirien, rappelons-le, a pris en octobre 2012 un décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Les participants saluent l'acte, mais attendent que cette disposition soit renforcée par une loi anti-tabac en vue de lutter efficacement contre le tabagisme. Et les législatives maliennes, un second tour aura lieu le 15 décembre. Selon les résultats provisoires annoncés mercredi soir, aucun parti ou coalition n'a obtenu la majorité absolue lors du premier tour de ces élections organisées le 24 novembre dernier. Un second round aura donc lieu le 15 décembre. Et toujours au Mali, l'ex-capitaine Amadou Aïa Sanogo a chuté. L'officier ancien chef des putschistes qui ont renversé le président Amadou Toumani Touré en mars 2012, a été arrêté hier à Bamako. Il est emprisonné désormais dans le camp principal de la gendarmerie. Il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé sous mandat de dépôt. La justice malienne lui reproche son implication dans de nombreuses affaires de meurtres et de disparitions qui ont émaillé son règne à Kati. Rappelons pour terminer une nouvelle Côte d'Ivoire. Le président de la République donne l'assurance aux populations de compter sur lui. Des paroles fortes pour panser les plaies. Le chef de l'État qui était ce matin à Béomi pour une fois encore exhorter les populations à la paix et au pardon pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et avant Béomi, le président a marqué une escale à Languibonou pour recevoir les honneurs militaires. Et à 12 km du centre-ville, il a procédé au lancement des travaux de construction des ponts de Béomi sur le fleuve Bandama et sur le camp. Ce grand chantier d'un coût estimé à plus de 16 milliards de francs CFA sera achevé dans 20 mois. Il faut signaler que le pont sur le fleuve Bandama a été détruit en 1975 lors de la construction du barrage de Kossou. Demain, ce sera le grand meeting de clôture au stade de la paix à Boaké et ce sera à 11h. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. We'll be right back.